du commerce extérieur. Waye tamit di wax ni mbété la pour man féké ci réunion comité national de négociation commerciale internationale. Di wax ni réunion bi nak ñu ngi koy wo ci perspective, ñu ngi am perspective ci réunion OMC bi wara am le 15 juillet manam jeudi bi di ñew ci walum subvention pêche ak si préparer tamit conférence Union africaine. Xam nga comité national de négociation commerciale internationale mom moy définir position au Sénégal yi en matière de négociation cadre la bo xamantene ministère yi yépp ñu ngi ci représenter nak ministère du commerce di assurer la présidence du comité national de négociation commerciale internationale. Di wax ni légui passé na ñetti ñaari fukki at au niveau de l'OMC ñi xol toujours nan lañuy waxtané pour am ay règles ñu teural ci mbirum nap ji ndax amna façon nap yo xamantene limuy yakal dekk yi nga xamantene ñu ngi dundé ci li ñuy jëlé ci geej gi bari na ndax bo xolé dekk yu bari yu nekk en développement li opp ci sen kom ñu ngi ko jëlé ci pêche bi donc da fay am solo ñu xol bu baax nan la suñu yenen partenaire yi di def pêche bobu ci suñuy côte donc lolo tax OMC ci aussi demande bi nga xamantene yenen organisation internationale yi def nañ ko ci mom muy liggey depuis bobu pour ñu mëna tek ay règles yo xamantene war nañ ko respecter ci li jëm ci subvention à la pêche. Di wax ni pêche nak amna solo trop ci Sénégal bo xolé secteur de la pêche daf ñuy jox 2% suñu PIB ñu koy tirer ci secteur de la pêche té lu passé 1 600 000 personnes ñu ngi ci dund. Di wax tamit dañ ci jëlé 237 milliards ci suñu recette d'exportation donc di wax ni secteur bu tollu nonu tamit duñ ko tiaxané lolo tax Sénégal toujours dafa bokku ci dëkk yi ñëk yi songu waxtaan bi yi jëm ci négociation yi secteur de la pêche té lélé da ci am sa ay taxaway yu am solo di présider ay comité pour le compte des pays en développement donc di wax ni buñu amé ay règle yu bess en tout cas ci OMC dana am solo bu baax pour économie bi waye tamit dina nek lo xamantene pays en voie de développement yi comme Sénégal danañu xol nan lañ koy teurele surtout ci modalité yi d'application subvention yoyu à la pêche illicite non déclarée et non réglementée ndax nak xamnañ ni règle OMC yi amna toujours ay modalité manam bo xolé ci règle OMC yi liñuy exigence yu ñuy tek pays yi nga xamantene ñom ñoo développer duñ ko tek souvent pays yi nga xamantene mom mo nek moyen développé donc danañu xol aussi ci walum subvention à la pêche est-ce que loolu lañuy mëna tek loolu yépp ci waxtaan lay nek. Benen bi mom moy il faut ñu xol nan lañuy améliorer gouvernance bi ak surveillance activité pêche yi manam flotte nationale yi wala flotte étrangère yi ñu xol nan lañuy doxalé ci biir les zones économiques exclusives manam zone yi nga xamantene fofu wa ci mu ngi dépend ci ce qui donc lool dina mëna dimbalé PMA yi ñu appliquer ci façon bi gën les règles yi nga xamantene mom lañuy tek ci subvention à la pêche illégale wala la pêche bi nga xamni kenn déclaré ko wala la pêche bo xamantene kenn réglementé ko donc di wax ni nek na ay questions yu am solo question yoy nak Sénégal pour mu mën ci taxaw il faut mu am ay avis yi joggé fi ci comité national de négociation commerciale internationale di fatali ni comité national de négociation commerciale internationale département ministériel yi nga xamantene yépp concerné nañu par question bobu dañ fi téw donc mu nek lo xamantene lu am solo la buñu jëlé ci walum ZLECAF xamnañ ni lancé nañu début échange depuis le 1er janvier 2021 wayé bo sété échange taxula démé nonu comme niñ ko yaakaré donc amna lu bëri ligéy bo xamantene war nañ ko gëna chambar donc ñu ci liggéey di fatali rek ni Sénégal élaborer na stratégie ZLECAFOM ci joxante loxo bi mu joxante ak commission économique pour l'Afrique et ci bobu
comme stratégie amna ay patch yu bari yu ñu tek pour dimbali entreprise ñu jëm kanam waye tamit dama ci wo bu baax secteur privé ndax nak lepp li nga xamantene mom lañuy def manam négociation yépp lu ñuy def du am benn solo bu fekkante ne secteur privé concrétiser ko ndax nak état xéna cadre la mëna tek waye mënul doxal activité économique donc lolu walum entreprise la donc ma ngi len di sensibiliser non seulement ñuy ñëw di féké ci fu ñuy définir les positions de négociation di féké les négociations waye tamit li jëm ci mise en œuvre ñu mën ko doxal bu baax ba nga xamantene bép jafé jafé buñ ci jankontel tamit ñu ñëwaat ci administration ñu joxante ci loxo rek comme d'habitude ñu mën len dimbali